Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui sur un épisode un peu spécial, tourné sur des nouvelles insolites et parfois réellement étonnantes, et d'autres un peu plus obscures. Pas besoin d'en dire plus, c'est parti pour les infos Wivo incroyables. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui c'est une émission originale. J'ai toujours l'impression de dire ça, à chaque fois, hein. Chaque fois c'est une émission originale, mais là pour le coup, c'est véridique, et j'aurai besoin de vous, auditeurs, pour savoir si c'est une émission qui va vous plaire, si vous voulez que ça recommence. Mais avant de rajouter quelques précisions sur l'émission qui va venir, accueillons la star de cette émission. Voilà. Davin. Bonjour à toutes et à tous. Ça va être une belle émission, je le sens. Je suis pressé que tu fasses ton petit pitch, parce que c'est ton petit bébé. Tu stresses, tu as les mains moites. C'est une émission qui risque de... je suis empli de honte si j'avais fait ça d'Amazon. Non mais voilà, pour que les auditeurs le savent, bah, le sachent ou le savent, on s'en fout. On s'en fout du français. Ah, c'est fun, c'est relax, oui. T'as vraiment la pression, c'est ton petit bébé, ton petit concept. Je crois qu'on avait eu l'idée en plus en pleine émission, il me semble. Je sais plus, ouais, quand on a eu cette idée, ouais. Parce qu'en fait, ouais, en gros, je crois que l'origine, la backstory... L'origin story, quoi. L'origin story, il va y avoir un film hein, là-dessus. Ah, c'est ça. C'est parce que j'avais noté, en fait, des infos qui me paraissaient incroyables. Et je sais plus, je crois que je te les avais envoyées par écrit ou je te les avais débriefées en vocal. Parce que je les trouvais vraiment intéressantes à partager. Et je trouve que c'est venu de là, en fait. On s'est dit, mais pourquoi pas en faire une émission? Une émission où, du coup, j'écoute pas mal de podcasts, tout comme nos auditeurs, je pense. Tout comme toi, Davin. Et il y a des podcasts scientifiques que j'aime beaucoup, et souvent il y a des infos que je trouve ultra pertinentes, ultra intéressantes, soit des podcasts scientifiques, soit des podcasts sur l'écologie et tout. Et il y en a certains, ils m'ont limite pas choqué, mais j'ai trouvé ça incroyable. Ça me démangeait d'en parler. Ça me démangeait. Alors non, peut-être que tu les connais. Peut-être que tu les connais, peut-être que vous, les auditeurs, vous les connaissez, je ne sais pas. Non, elles sont inconnues. Vends ton émission. Ah, je pense que c'est inconnu. C'est inconnu, c'est... Votre vie va changer après cette émission, moi je l'annonce, hein. C'est formidable. Ah, c'est formidable, c'est clair. Non, par contre, oui, la difficulté, si l'émission plaît, en fait, la difficulté réside dans le refaire, dans le sens où toutes ces infos-là sont, pour le coup, sont étonnantes, mais surtout elles sont récentes. Parce que le but, c'est d'avoir des infos récentes qui ne datent pas des années 50. Oui. Sinon, je pense que là, forcément, c'est plus connu. Là, c'est tout récent. Donc, je pense que c'est pour ça que certaines ne sont pas du tout connues. Elles sont méconnues. Pourtant, voilà. Et à voir si ça plaît. Je pense qu'il faut que je prenne le temps de récolter ces infos. Oui, bien sûr. C'est comme pour le story show, quoi. On n'a pas envie de se forcer à... Oui, c'est ça. Il n'y aura pas de date particulière. Faire les choses, on aime bien que... Au fil des jours, on note des idées, on note des trucs, et puis une fois qu'on est prêt, on y va, quoi. Donc cette émission, si elle vous plaît, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à encourager Niveau. Oui, voilà, tout à fait. Et puis ça reviendra si ça vous plaît. Et puis dites-nous on peut modifier des choses. Voilà. Ouais, tout à fait aussi, ouais. Tout à fait. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Hein. Allez. On va pouvoir commencer. Du coup, il y aura des infos de tout bord, hein. Je tiens à l'annoncer. Et du coup, c'est pas pour rien. La première info que j'ai voulu évoquer, c'est une info Wivo cerveau. C'est-à-dire, c'est sur le cerveau, c'est neuroscientifique. En fait, ils ont appris y a peu de temps, du coup c'est tout récent, que le cerveau, pendant qu'il dormait, il était capable de repérer des voies inconnues. Même lorsqu'on dort profondément, en fait, le cerveau est capable de détecter si la voix qu'il entend, donc du coup, on n'a pas conscience. Ouais, c'est terrifiant. Il le reconnaît ou non. Tu sais, ça me fait penser aux applications où tu poses ton téléphone et il t'enregistre si tu parles dans la nuit.
Ah ouais. Et ça, allez, je viens d'avoir une idée pour l'horreur show. Retenez, ceux qui entendent cette émission, je vais le noter, je te jure, je vais en faire une histoire. Imagine, c'est les applis où quand tu parles, c'est ça t'enregistre et le lendemain matin, tu peux écouter. Ah, j'en ai des frissons, genre tu te parles imagine, à toi-même. Imagine, les deux premiers, c'est des... Truc comme ça. Et le troisième, c'est... Je t'aime. Un truc dégueulasse, c'est pas ta voix, c'est un mec qui est en train de te lécher l'oreille. Quoi. Oh ah oui, voilà. Ah, c'est... On est dans un horror show, en fait, c'est ça. Ah bah c'est ça, là on commence, c'était une farce, c'est le horror show d'avance. Ouais, parce que c'est assez horrible. Oui, ça serait assez horrible. Et du coup alors, précisément, comment ça se passe? En fait c'est que durant le sommeil, on sait, maintenant on le sait du moins, le cerveau il trie les informations accumulées dans la journée, il permet la mémorisation et il sécrète certaines hormones en gros. Et en plus, il accomplit des tâches de tri, de régénération, voilà, il fait tout un tas de trucs, d'où l'importance du sommeil. Et il est capable d'analyser les bruits environnants. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission Inception, où parfois, un bruit qu'on entend peut s'implanter dans le rêve. Dans Inception, à un moment, il tombe dans l'eau. Exact. Et il y a tout le bruit. Bon, là, il y a carrément le toucher, en fait. Mm-hmm. Mais dans son rêve, en fait, il tombe aussi dans l'eau. Le rêve va relier ce qui est lié à la réalité, quoi. Si vous entendez un bruit dans votre chambre, ça va se mélanger au rêve. Donc le cerveau. Moi, ça m'arrive. Je crois que j'en avais parlé oui dans Inception, que moi, c'est ma mère quand elle me réveillait le matin, quand j'étais petit. C'est ça. Elle me réveillait. Et en fait, d'un coup, j'entendais la voix de ma mère dans mon rêve. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est trop bizarre, ça. Ouais, c'est trop bizarre, ça, ce sentiment comme ça. Mais généralement, en fait, des fois quand il s'agit de bruits inconnus, il se met en veille, mais il ne nous réveille pas. Il est attentif, mais il ne réveille pas forcément. Il ne sent pas qu'il y a une alerte à faire. Ouais. Et du coup, il y a des chercheurs autrichiens qui ont donc fait une étude approfondie pour savoir vraiment comment le cerveau était, comment il se comportait. Et ils ont fait ça du coup avec des voix inconnues. Du coup, précisément, en fait, ils ont fait écouter à 17 adultes endormis des voix familières et des voix inconnues. Mmh. Voilà. Qui prononçaient donc l'un et l'autre, plusieurs fois des dizaines de noms dans la nuit. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est clair. Et du coup, en parallèle, ils mesuraient l'activité cérébrale de ces dormeurs. Mmh. Et les graphiques, on le voit façon... je crois qu'on peut même trouver le... Oui, on peut trouver le titre façon sur Internet. Mais on voit que le graphique, en fait, durant le sommeil profond, les voix inconnues déclenchent davantage d'ondes cérébrales appelées complexes K. Donc en fait, ça, c'est des trucs qui sont spécifiques un peu à une sorte de mode sentinelle du cerveau, en gros. Mmh. Ça se met en alerte. Ouais, c'est ouf. Ça paraît. Non, mais limite, en fait, ça peut même poser des questions sur notre conscience, finalement. Ou comme si notre corps réagit. Enfin, de toute façon, on sait que notre corps réagit des fois indépendamment de notre esprit. Mais là, c'est comme s'il y avait un mode veille. Et comme si, tu sais, t'avais un chien de garde quoi, qui était là en train de guetter c'est pendant trop bizarre. Que toi, t'es... Ouais, c'est ouf. C'est trop bizarre. Et bien, d'ailleurs, ça rejoint le fait qu'à chaque fois qu'on dort dans un nouveau lieu, on dort mal. Parce que justement, en fait, le cerveau est en mode veille. Ah, il est trop toute la en nuit. Train de réfléchir, ouais. C'est ça. Vrai. Et d'où il y a trop de ces ondes cérébrales qui sont appelées complexes K. Il y en a trop. Et ça, en fait. On le voit quand on fait nos bivouacs. Souvent, le lendemain, même si les bivouacs où on arrive à peu près bien dormir, on est quand même plus fatigué le lendemain parce que ton cerveau, il dort pas de la même façon. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est troublant. C'est que tu as l'impression d'avoir fait une nuit complète, mais en fait, non, ton cerveau était en mode veille. Et du coup, là, ils l'ont démontré clairement. Dès qu'un nom était prononcé par une voix inconnue, les ondes cérébrales s'activaient. Donc en gros, ça démontre que le cerveau n'était pas complètement déconnecté de son environnement, mais qu'il est vraiment prêt à réagir en cas de menace. Okay. Donc nous, on s'en rend pas compte, mais il est en état de vigilance permanente, quoi. Okay. Mais du coup, c'est dingue. Et c'est pas sans conséquence, évidemment, sur la qualité du repos. Voilà. Quand t'es comme ça, tout à fait aux aguets, c'est ce qu'on vient de dire là pour les bivouacs et tout, mais même si vous dormez dans un lieu qui est, que vous connaissez et tout, qui a un bruit constant qui vous est inconnu, ça peut vous empêcher de bien dormir. D'accord. Il y a ça ou même, pour faire flipper un peu les gens qui nous écoutent là, le soir sous leur couette, si vous vous réveillez en pleine nuit, c'est fort probable que c'est parce que votre cerveau a entendu une voix inconnue dans votre chambre.
Exactement. Voilà. Exactement. Donc, si vous vous réveillez cette nuit, pensez-y. Et regardez sous votre lit. Ça part trop en horror show. C'est ça. Regardez sous votre lit. Personne ne va le faire. Donc voilà, ouais, j'ai trouvé ça plutôt... Ah mais carrément, parce que ça, je ne savais pas. Et alors, ça peut paraître logique, finalement, parce que c'est notre instinct de défense, de sauvage de l'époque, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais finalement, je ne le savais pas, c'est vrai que c'est intéressant. Mmh. Bah, souvent, c'est ça, hein. De toute façon, tous les biais de raisonnement, tout ce que fait notre cerveau qui nous nuit, entre guillemets, on en parlait, même aujourd'hui, mais en off, même l'envie de manger des trucs sucrés, etc., ou gras, c'est une envie primitive, presque d'homme des Cro-Magnon. Le cerveau, il n'a pas aussi vite évolué que notre technologie et tout le reste. Ouais, ouais. Du coup, on a des comportements... parfois, c'est utile, mais parfois, non. Ouais. Mais bon. Passons à... pas à l'espèce humaine, à un autre type d'espèce, à une espèce animale, qui a été étudiée. Enfin, étudiée, c'est un grand mot. En gros, le scientifique... alors, je vais peut-être écorcher son nom, Victor Tos, a réussi à faire en sorte que des rats passent du temps à jouer à Doom 2. D'accord. Je m'attendais pas. Donc, et du coup... explique alors, ce que c'est Doom 2 pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Doom 2, c'est un jeu de type FPS, donc c'est une vue à la première personne de tir. Un jeu vidéo. Jeu vidéo, exactement. Ça ressemble Le papa des FPS finalement. C'est ouais, c'est ça, je Doom, pense. C'est un peu le premier. Ouais. Bah là, en publicité, on voit souvent Call of Duty. C'est le même style. Oui, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est le jeu le plus vendu, c'est Call of à niveau FPS. Ouais. C'est ça. C'est le même style de vision, on va dire. Mm-hmm. Mais après, Doom 2, c'est souvent des monstres, il me semble. Et là, en fait, ce qui a intéressé Victor dans ce jeu, c'est qu'il pouvait créer lui-même des parcours. Donc des couloirs, il pouvait lui-même faire apparaître les monstres ou non, et c'est ça qui l'intéressait. Il faut savoir qu'il a enregistré et publié la vidéo sur YouTube. Donc on voit les rats jouer à Doom 2. C'est en ligne. Joue comment ? Ah, c'est ça, c'est là toute la question. Ah bah tranquille, canapé, une manette dans les mains. Ah bah oui, c'est ça. Une mini manette. Bah déjà, c'est. Alors, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire ? Avant de répondre à cette question, mais comment ils jouent ? Il faut savoir qu'ils arrivent à avancer. Ils arrivent à tirer, ils arrivent à ouvrir des portes, donc ils jouent réellement, quoi. Ils arrivent à tuer des cibles, à tuer les bonnes cibles et tout. Donc ils arrivent vraiment, je pense qu'un après, jour... Après, ce qu'il faut dire, alors je sais pas Doom 2, mais genre Doom 1, remarque, c'était sur ordinateur à l'époque, je sais plus. Parce que sinon, c'est peut-être avec les, tu sais, genre la PlayStation 1, truc comme ça, où il n'y avait pas d'analogue, il n'y avait que des flèches directionnelles. Ok. C'était plus simple, tu vois, qu'un analogue, il faut vraiment gérer dans la 3D, tu vois. Oui. Je sais pas. Bah je vais casser le suspense. Je vais casser le suspense. Mais qu'il est bon, qu'il est bon. Donc, la vidéo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un rat qui utilise un dispositif de réalité virtuelle. Voilà, en fait, il y a... il a un petit casque de VR. Il a un petit casque. Sérieux ? Non, alors c'est pas un casque, mais en fait, si tu veux, afin de vraiment profiter du jeu vidéo, le rat, il a un harnais et il est devant un grand écran et il est sur une grosse balle. Et cette grosse balle, en fait, est munie de capteurs. Et du coup, quand il fait tourner la balle, le personnage dans le jeu avance. Voilà. Un peu comme on voit les trucs d'Oculus. On voit des humains, tu sais, qui marchent sur un tapis roulant et ils marchent dans le jeu, du coup. Oui, d'accord. Là, pour que ça marche avec le rat, bah, ils ont utilisé une grosse balle. Et donc, on voit le rat. De toute façon, je vous invite à aller voir la vidéo. Hein. À la fin de l'émission, évidemment. Il va falloir la noter oui, toutes les infos. Et franchement, on peut revenir, du coup, sur ma déclaration d'avant. C'était vraiment premier Doug en train de dire qu'ils étaient en train de jouer avec une manette, quoi. J'étais en train d'analyser. J'ai rien à dire, j'ai osé rien dire. Ils peuvent pas avec une analogique, c'est beaucoup trop complexe. Ils sont avec une manette de PlayStation 1. Non, parce que... Non, parce que dans le fond... Je me fais honte, parfois. Non, parce que t'as pas totalement tort dans le sens, ils touchent quand même à des boutons. Ah, merci de me réhabiliter. Voilà, voilà, ils touchent quand même à des boutons. En fait, t'as la balle qui est utilisée, du coup, pour pouvoir se déplacer. Mais ils utilisent des boutons pour ouvrir les portes et pour tirer, quand même. Okay. Voilà, c'est des boutons qui sont en face d'eux, en fait. Mmh. Et donc les rats, ils sont capables d'ouvrir des portes, de tirer sur des ennemis et pas n'importe lesquels. Mmh. Et il a fait en sorte de faire apparaître les ennemis à différents moments. Après, sur la vidéo, on voit clairement que c'est un long couloir. C'est pas les rats, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de gros trucs. Après, ouais,
c'est en cours de test. Le mec pense même à ouvrir une chaîne Twitch pour voir l'évolution de ces rats gamers. Peut-être qu'un jour on va les combattre dans un. C'est ça. Ah ben c'est ça. Une fessée par des rats. Sur Fortnite. Sur Fortnite, on va les combattre. Et du coup, ouais, bah, il a fait ça pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. Et du coup, bah, les rats savent se déplacer, tirer, etc. Et ils ont même donc appris à tirer à un moment précis. Et en fait, comment il a réussi à faire en sorte que les rats jouent, c'est qu'à chaque fois que les rats réussissaient à faire quelque chose, bah, avançaient tout bêtement, ouvraient une porte, en fait, ils avaient une récompense, tout bêtement. Un peu d'eau sucrée. Mmh. Et à force, voilà, pas force, ça a fonctionné. Mais j'ai trouvé la vidéo... est assez marrante, quoi. Enfin, l'idée même d'ouvrir une chaîne Twitch, bah moi, ça me rappelle un peu le truc assez connu de Elon Musk qui est en train de tester ses puces Neuralink sur des chimpanzés. Ouais, Neuralink. Qui, tout à fait, ouais. Par la pensée, réussissent à jouer à Pong. Donc, ouais, mais c'est quoi, c'est encore plus aussi. Ouais. C'est encore plus basique comme jeu vidéo, Pong, mais c'est par la pensée, du coup. Donc c'est quand même. C'est quand même oui, parce que. Ouais, parce que moi, pour le coup, je pensais que c'était au début, c'était par la pensée. Ouais. Que les rats jouaient, mais en fait, pas du tout. Du coup, ça veut dire que les rats, ouais. Ils peuvent voir un écran. C'est un écran normal ou... Parce que je sais que les chiens, par exemple, ils captent pas ce qui se passe à la télé. Il faut un certain nombre d'images par seconde, je crois, pour qu'ils puissent voir ce qui se passe à la télé. Et justement, ouais, ça, bah c'était une question qui était intéressante parce que c'est ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que plus les télés évoluent, plus on a des taux de rafraîchissement beaucoup plus rapide en fait maintenant, et donc petit à petit, pour le moment, les chiens en fait ne voient pas ce qu'il y a à la télé, donc souvent ils sont attirés, c'est plus par le son ou par la lumière, tu vois, mais ils voient pas les formes et tout. Que là, plus nos télés vont être perfectionnées, avoir un taux de rafraîchissement plus fluide, en fait les chiens vont se mettre à voir ce qu'il y a dans la télé, et ça va être marrant parce qu'il y a plein de chiens qui voient leur réaction, ils vont pas capter ce qui se passe, ou ils vont réagir vraiment beaucoup plus virulemment que aujourd'hui, quoi. Donc ça va créer des soucis, ça, plus tard avec les chiens. Ouais, déjà rien qu'avec les bruitages, parfois c'est... Ouais, ils réagissent, tu vois. C'est plus drôle, ouais, c'est plus drôle. Mais là, oui, s'ils voyaient un chien à l'écran... Ah, ils vont défoncer la télé. Hein. Il va falloir mettre des... Ouais, un chien ou rien que des humains. Tu vois, les chiens, quand tu passes devant un portail, ça se met à aboyer comme je sais pas quoi. Là, si à chaque fois, ils voyaient des humains sur la télé, ils vont faire « Attends, c'est qui ?» Je les connais pas. Ça va être drôle. Bah pour les rats, c'est une bonne question. Mais je pense que les rats, vu qu'ils utilisent souvent en labo parce que c'est proche de l'homme, c'est pour ça qu'ils utilisent souvent les rats, je pense qu'au niveau de la vision, ça, je sais pas là, après c'est purement hypothétique, hein, mais je pense que ça s'y ressemble. Parce que là, clairement, l'écran, c'est un écran normal. D'accord. Il n'y a pas de spécificité particulière. Donc voilà, de toute façon, tu verras la vidéo. Bah, carrément, tu mets ça en description, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va spoiler l'info, donc. Du coup, non, je mettrai aucune information sur ce podcast. Tout sera obligé. Faudra regarder l'émission pour débloquer les vidéos et tout. Après. Du coup, passons à l'info suivante. Bon, tu connais l'UFC. Je suppose, hein, maintenant, toi, tu connais bien. Est-ce que Cyril Gane connaissent Cyril Gane, voilà. Ngannou. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'UFC, c'est une des plus grosses organisations de combat de MMA. Donc, des arts martiaux mixtes, où ça mélange un petit peu, on va dire, kickboxing et jiu-jitsu, donc combat au sol, lutte et kickboxing, pour faire court. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, hein, le combat Cyril Gane contre Francis Ngannou, il n'y a pas longtemps, pour la ceinture des poids lourds. Malheureusement, Cyril Gane a perdu, c'est dommage, on était pour lui tous les deux. Ouais, c'est ça, ça m'a hypé, moi, sur ce match. Ouais, tant pis, c'est pas... Bien joué quand même, Cyril Gane. Tu te rattraperas la prochaine fois. Mais du coup, il existe la PFC. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, la PFC, hein? Si tu te demandes, hein, tu te demandes. Non. Non, pas du tout. On peut passer à la news. On peut passer à la news si tu veux. Donc, PFC, c'est Pillow Fight Competition. En gros, c'est des combats comme l'UFC, mais avec des coussins. Ce bug. Ah, c'est des combats de coussins. Voilà. D'accord. Ils ont des coussins chacun. Il y a des vraies règles. En petite tenue, en petite nuisette. Ah oui. Ah. Bah, à la base, oui. Alors c'est ça. À la base, c'est une compilation porno. Hein, Je crois que c'était en 2006 que effectivement c'était un peu.
c'était un dérivé. En fait, ça a débuté dans le catch. C'était purement joué sur les attributs féminins. Il n'y avait que les divas dans le catch qui, justement, en petite tenue, se battaient avec des coussins, tu vois. Mmh. Et en 2006, ils ont commencé à créer un genre de PFC. Mais encore une fois, il n'y avait que les femmes qui se battaient. Donc, c'était plutôt sexiste, hein, c'était juste... voilà. Et c'est à partir de 2010, où là, il y a vraiment une organisation qui s'est créée et que du coup, bah, il y a tout le monde qui ont commencé à participer à ce genre d'événement. Donc, tout âge, et, que ce soit homme ou femme, hein, voilà, plus de distinction. Et du coup, maintenant, je crois qu'il y a un gros match qui s'annonce dans pas longtemps. Parce que les... Bah, Cyril Gann et Nganou, la revanche. C'est ça. La revanche en coussin. Avec des coussins, en nuisette. Ça a l'air d'être trop bizarre. Mais après, c'est assez violent. Parce que... Ah, il y a des parpaings dans les coussins. C'est... Il y en a qui trichent, ouais. Il y a des galets. Mais des galets. Bah, ils prétendent que c'est pas dangereux. Tu prends un voilà, bon coup de coussin derrière la tête quand tu t'y attends pas, là. Oui, c'est ça. C'est des bons... Vu les coups qu'ils mettent parfois, j'ai regardé vite fait... ils disent que c'est pas dangereux, c'est pour vendre un peu le truc. Ils essaient de se comparer à l'UFC en disant oui, le PFC c'est pas dangereux, c'est un truc tout familial. Attends, tu peux regarder ça avec tes enfants. Ah, ils se démontent la tête avec des coussins, mais parce qu'il faut quand même des clés de soumission et tout avec les coussins. Ils ont le droit de frapper au sol avec les coussins, c'est un peu. Bon, ça reste un peu violent. Il y a eu des contusions, des chocs et tout. Mais je trouvais ça assez original, quoi. Je connaissais pas du tout, je suis tombé dessus par hasard. Donc c'est vraiment officiel, quoi. C'est, ah oui, c'est vraiment. Il y a vraiment. Ah ouais. Il y a vraiment un match événement là qui se passe le début 2022. D'accord. On pourrait suivre ça. Bah ouais. Alors du coup c'est pas. Je sais pas sur quelle chaîne. Je crois que c'est sur Fight. On prend une time. Les mecs ils sont non, totalement à l'ouest au niveau actu. C'est vrai, tout le monde en parle depuis 3 jours. Là, c'est... Ah oui, on regarde plus les chaînes publiques. C'est peut-être. En fait, toutes ces infos là sont sur les chaînes publiques. Mais ouais, c'est sur Fight TV, donc pas Fight, en anglais c'est FITE.TV. Je crois que tu peux regarder dessus. Voilà. Et il faut payer, évidemment. Donc, ouais. Donc moi je payerai pas. Hein, voilà. Donc passons à une autre info qui est un peu plus sombre. Oula. Voilà. Ah là, j'ai calmé tout le monde. Là, ça va. C'est bien, ça varie entre chaque. Ah, ça varie. Tout à fait. Parce que on rigole, mais il y a un petit peu de sérieux quand même. Donc c'est parti. Là, c'est lié au dérèglement climatique. Du coup, il y a des personnes qui préfèrent parler de dérèglement climatique plutôt que de réchauffement climatique. Parce que quand on parle de réchauffement climatique, on a souvent des climato-sceptiques qui vont te dire « Oui, mais il fait froid, donc il n'y a pas de réchauffement, ça n'existe pas. Oui. » Donc ils confondent déjà la météo et le climat, ce qui n'est pas la même chose. Le climat, c'est sur... Il y a même des présidents qui disent ce genre oui, de choses. Hein. Si tout à fait. On ne va pas citer le nom. Mais du coup, certains scientifiques, même écologistes, bref, préfèrent parler de dérèglement climatique. Ouais. Et ils ont fait une étude. Entre 2000 et 2019, dans 43 pays, et un peu dans ces 43 pays, ils ont ciblé 750 lieux. C'est une assez grosse étude. Pour savoir en fait si les dérèglements climatiques pouvaient causer des morts et combien en fait. Et ils se sont rendus compte que ça causait 5 millions de décès par an. Ça paraît complètement dingue, je trouve, 5 millions. Donc aujourd'hui, ça. 5 millions de décès par an entre 2000 et 2019. En gros. D'accord, oui, c'est ça. Voilà, oui, après, voilà, c'est. L'étude est sortie tout récemment, après, ils ont dû peut-être. Le temps de faire les analyses, etc. Et tout. Mmh. Et en gros, ça ferait 74 décès pour 100 000 habitants. Parce que évidemment, ils ont trié les décès qui ne sont pas liés au dérèglement climatique. Et en fait, ils se sont rendus compte. Le problème en fait, du dérèglement climatique, c'est qu'il y a des. Souvent, il y a des. Quand on dit que ça fait plus de 2 degrés, c'est une moyenne. Mais véritablement, en fait, cette moyenne comprend des climats, ce qu'ils appellent des climats extrêmes. Tels que des, je sais pas moi, je vais dire une connerie, mais moins 20 à tel endroit, et des climats extrêmes tels que, ça je l'avais noté, 50 degrés au Canada. Quand il y a eu le fameux dôme de feu qu'on a entendu parler, c'était l'année dernière au Canada, où il y avait un climat mais vraiment extrême dans un village, et ben ces points de chaud ou de froid
font qu'il y a autant de morts. Et je trouve ça hallucinant, en fait. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est pas du tout drôle pour le coup, mais c'est je trouve ça incroyable. Ça me paraît dingue qu'il y ait autant de décès liés au dérèglement climatique. Ouais, directement dès aujourd'hui, quoi. C'est ça. Souvent, c'est vrai qu'on parle de ce sujet en se projetant. Donc finalement. C'est ça, on croit que ça va. C'est ça, tout à fait. Pas concerné finalement, mais en fait, c'est déjà. Ah oui, oui, un problème actuel finalement. Mais... Ah oui, d'accord, oui. J'avais pas compris. En fait, tu posais cette question dans le sens où si c'était une prévision en fait future ou si c'était vraiment oui, c'était actuel, c'était ouais, ça. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. C'est aujourd'hui, ouais. C'est vraiment là, on est dans l'instant présent, quoi. Il disait par exemple aussi qu'en Sibérie, il y aurait des pointes de chaleur ou de froid 600 fois supérieures à la normale. 600 fois. Mmh. Enfin, 600 fois plus de cas, pardon, pas 600 fois supérieur. Ah, il fait 5000 degrés, 5000 degrés. c'est un soleil qui naît en Sibérie. Non, voilà, il y a 600 fois plus de cas, en fait, d'extrême climat comme ça. Mais je trouve ça fou, en fait, complètement fou. Et du coup, pour suivre cette info-là, le 8-11-2021, donc encore une fois, ça fait quelques mois, hein, en fait, ils se sont rendus compte que les pays mentaient sur les déclarations de gaz à effet de serre. Parce que, en fait, pour l'ONU, ils sont censés déclarer, il y a 196 pays qui sont censés déclarer combien de tonnes de CO2, en fait, ils ont créé. Et ils se sont rendus compte que, en faisant des études, par exemple, ils ont calculé que le méthane, c'est pour donner un exemple, hein, déclaré par la Russie et le Qatar, était 28 fois... Donc le méthane qui est 28 fois supérieur au CO2, parce qu'on parle souvent du CO2 qui est responsable du dérèglement climatique, et donc le méthane, c'est 28 fois supérieur, ce qui est quand même énorme. Et donc ils se sont rendus compte que le méthane déclaré par la Russie et le Qatar n'était pas... en fait, il n'était pas... il cadrait pas en fait avec les calculs scientifiques et les fuites observées par les satellites qui tournent autour de la Terre. Parce que les scientifiques, évidemment, ils peuvent faire des calculs comme ça, ils ont les satellites pour, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci en fait entre ce qui était déclaré et ce que eux. Voilà. Et après, ça ne concerne pas qu'à la Russie et le Qatar, il y a plein d'autres pays. Hein. Je ne les ai pas tous notés parce que le but c'est pas de parler d'un pays ou un pays, c'est juste de dire qu'en gros, ils auraient omis entre 8,5 et 13,3 milliards de tonnes de CO2. C'est en gros ce que fait la Chine en une année. Et la Chine, on sait que c'est un des plus gros pollueurs en termes de réchauffement climatique. Du coup, c'est énorme. Cette omission, elle est énorme, quoi. C'est comme si tu rajoutais un pays en plus, un pays tel que la Chine en plus, qui produit des tonnes de CO2. Donc en fait, pour les... ils disaient ça dans le sens où, du coup... quand ils font des projections dans le futur en disant que il fera plus de degrés, c'est par rapport aux déclarations qu'ils ont obtenues de tous ces pays. Et du coup, si même les pays mentent sur leurs déclarations, en fait, c'est encore plus grave que ce qu'on croit. Voilà. Ok. Allez. Bonne nuit, bon, monsieur. Bonne nuit. Je suis dans un bad trip là, moi. Non, voilà. Je vais. On va partir sur des bonnes nouvelles. On va relancer sur des bonnes nouvelles. Le mec, là, c'est la descente aux enfers. Donc là, c'était les moins pires nouvelles. C'est des pires en pires. Attention. Non, mais c'est quand même alarmant. Après, bon, il y a assez de... On le sait tous, mais je trouvais ça... Ces infos, en fait, elles me paraissaient totalement incroyables. C'est le sujet de l'émission. C'est pour ça que même si elles sont tristes, entre guillemets, je trouvais intéressant. Ah oui, de toute façon, c'est bien qu'il y ait multi voilà. Choix dans ça, enfin multi. Tout à fait. Tu m'as compris. On est dans la nuance. On est dans la nuance. Alors, maintenant, une info un peu plus insolite et super intéressante, ça concerne l'espace. L'espace qui nous sert bien. Par exemple, c'est grâce aux satellites. C'est les satellites en fait qui ont été envoyés dans l'espace qui nous permettent d'avoir beaucoup de données sur le dérèglement climatique. Sans ces satellites, on n'aurait pas autant de données. Hein. Donc, vive les satellites, vive l'astrophysique. Alors, je continue. Du coup, il y a une équipe de recherche du Manchester qui s'est penchée sur la colonisation sur Mars.
Et ils se sont demandé en fait quel serait le moyen le plus intéressant en fait de coloniser Mars et de construire en fait quelque chose sur Mars. Et ils ont suggéré quelque chose, c'est d'utiliser du sang, de l'urine et des larmes pour faire du béton. Voilà, ça c'est leur suggestion. Ils sont tous en prison, là. Ils sont tous en prison. Non, pas du tout. Bah, ils ont suggéré ça. Et du coup, bah, ça paraît étonnant. Et en fait, c'est pas du tout stupide. Hein. Les scientifiques... Sinon, tu ne ferais pas la news, quoi. Exactement. Ah, c'est une fake news. La main, c'est une fake news. J'ai mis quelques fake news dans le sujet. Faut les deviner. Oh, ça peut être un concept. Ah, oui, c'est prochaine vrai. Prochaine émission, c'est tu vrai. Glisses deux fake des fake news. Et je devrais à la fin de l'émission les trouver. Ah, ça peut être très bien. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ah, vous avez déjà une idée pour la deuxième émission? Bah, parce, après, ça se trouve, on vous dit ça parce qu'il y a déjà des fake news dans celui-ci. Et on trouve des auditeurs. Ah, écoutez. Moi je mise pour le réchauffement climatique. Moi, mon avis, c'est une grosse fake news. Oui, c'était une fake news. C'était une fake news. Vous inquiétez pas. Attends, tout va bien. Ils nous prennent pour des. Eh oh. Donc du coup, alors celle-ci, ce n'est pas une fake news. Les scientifiques ont montré que la sueur et les larmes pouvaient constituer un excellent adjuvant pour le régolithe. C'est quoi le régolithe ? C'est un élément qui se trouve sur Mars. Voilà. Et donc, en liant ce régolithe à une protéine contenue dans le sang et en gros de la poussière de Mars. On pourrait faire comme du béton. On pourrait créer du béton. Ça paraît dingue. Je tourne ma petite feuille. C'est moi qui tourne les feuilles maintenant. En gros, en rajoutant un composant comme l'urine, parce qu'il parlait de l'urine, ça serait même plus résistant que le béton. Et du coup, il a déjà un petit nom. Comme ça, vous pouvez aller taper sur Google et vérifier si c'est pas une fake news. Le petit nom, c'est l'astrocrète. C'est une fake news. Je viens de le taper, c'est une fake news. Et du coup, en gros, pour donner une ordre d'idée, 6 humains pourraient, sur 2 ans, produire 500 kilos de béton. Et encore une fois, avec de l'urine, ça peut être dingue. Mais... C'est le problème, c'est que ça pue la pisse, quoi. C'est ça. C'est le délire, c'est voilà. C'est le délire, ça pue le sang et la pisse. Ça, ils en ont pas parlé, mais c'est vrai. J'ai pas pensé. Bah voilà, c'est. Bah du coup, le projet est annulé là. Ils nous entendent actuellement. Non mais ils peuvent produire 500 kilos, bon sur 2 ans. Mais 500 kilos d'un béton qui est limite plus résistant que le béton qu'on a actuellement. Même en fait. Bon, on n'a pas de poussière martienne, j'allais te dire. Mais même c'est ça, mais plus ici, tard, c'est intéressant. Notre baraque, moi, je vais la faire construire en pierre martienne. Quoi. C'est trop la classe. Non, mais c'est génial. Je trouve que, ouais. C'est... En fait, c'est le genre de découverte. Ouais. Ouais, mais c'est chelou. C'est quoi? C'est une matière qui n'existe pas sur Terre. C'est apparemment, ouais. La pérégolite, ouais. Je sais pas quoi, là. Ouais, ouais, le régolite, si je l'ai bien noté. Je crois que c'est le régolite. Ah, ça sent la fake news, ça, quand même. Une matière qui n'est pas présente sur Terre, ça me paraît complètement ouf. Ah non, du tout, non. Okay. Non, du tout. Alors, si c'est une fake news, ça serait vraiment étonnant. Non, normalement... Le mec, je te fais ça, douter, tu sais. C'est... Ouais, ça serait vraiment étonnant. Non, c'est pas une fake news. Après, non, c'est de la... Mais je pense que c'est possible. Alors, la régolite, c'est une matière qui est aussi sur Terre et... C'est possible. Et juste, c'est possible. On a constaté qu'il y avait la même matière sur Mars et du coup, on a... Oui, voilà, ça c'est possible. Additionné parce que ça, ça j'ai étonnant. Pas la précision. Enfin, ça serait étonnant que j'en ai pas entendu parler. Si on avait découvert une nouvelle matière sur Mars, ça me paraît très... Oui, non, en fait, c'est la régolite qui se trouve sur Mars. Qui se trouve sur Mars. Donc peut-être qu'effectivement, elle est aussi disponible sur Terre. Sur Terre, mais du coup... Mais là, vu qu'il n'y a que ça sur Mars, ils ont dû rechercher, ouais... Oui, ça me paraît plus logique comme ça, ouais. Oui, mais ça paraît dingue, quand même. Enfin, de mélanger du sang, de l'urine et de la salive, je crois aussi. Non, des larmes, pardon. Des larmes, des larmes. Bah moi je vais faire une maison mais qu'avec des larmes. Ah faut... Du coup tu te fais battre hein, pour avoir assez de... Le mec c'est le démon sur Mars, quoi. Ils sont dans une petite troupe, il prend les larmes de tout son équipage. Non mais je trouve ça improbable. Enfin je pense, ça me paraissait... Insolite. Tout à fait. Maintenant une nouvelle encore, une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Il y aurait peut-être un médicament qui serait capable de soigner la paralysie.
Du coup, ils ont testé ça sur des, bah, sur des souris, hein, des comme souvent. En gros, c'est un gel qui s'injecte dans le tissu qui entoure la moelle épinière. Et en gros, ils ont testé ça sur des souris dont la colonne vertébrale a été sectionnée. Et 4 semaines plus tard, les souris donc, qui avaient la colonne vertébrale sectionnée marchaient quasiment aussi bien. D'accord. En fait, ce gel, donc pour l'instant, ça n'a pas été testé à l'échelle humaine. Et on verra, quoi. Mais du coup, sur les souris, le nutriment qu'ils injectent via ce gel, en fait, il régénère les cellules. Et de c'est ce Spider-Man, fait, quoi. C'est un truc de ouf. Ah, c'est l'homme lézard dans Spider-Man, quoi. Mais c'est dingue. C'est-à-dire qu'en régénérant les cellules, bah, du coup, les souris se remettent à marcher. Parce qu'on dit souvent, si t'as la colonne vertébrale, c'est fini, quoi, tu marches plus. Okay. Et là, peut-être que ce gel, dans l'avenir, pourrait potentiellement en fait, soigner des gens qui sont paralysés. Mais ça, c'est, ça fait vraiment science-fiction, mais moi, je le sais, parce que j'ai toujours cette anecdote qui me vient en tête. J'avais discuté avec une dame qui était aveugle depuis, je crois que ça faisait à peu près 20 ans. C'est suite à un accident, en fait, elle a perdu la vue. Elle voyait quand elle était plus jeune, tu vois. Mais après un accident, elle est devenue non-voyante, hein, complètement non-voyante. Elle ne voyait plus rien du tout. Ok. Et cette dame, en fait, elle allait, c'est sur Bordeaux, au CHU à Bordeaux, pour faire des expérimentations où, en fait, on lui implantait une puce, alors je sais plus où exactement, mais c'était dans au niveau des yeux, hein, forcément. Ok. Une puce qui allait, si tout fonctionnait bien, ça allait lui permettre, en fait, de pouvoir revoir des formes. Par exemple, pour pouvoir se diriger sur un trottoir, elle verrait les traits de la route, tu vois. Et elle pourrait se diriger, donc elle n'aurait pas une vue en Full HD 4K, tu vois. Mais déjà, ça paraît complètement dingue pour quelqu'un qui a perdu la vue depuis 20 ans. Donc c'est une dame que j'ai vue au moment où elle allait faire ses tests, et du coup, je ne l'ai pas revue depuis. Je ne sais pas si ça doit faire au moins 3-4 ans. Du coup, je ne sais pas si ça a marché, mais c'est pour dire que il y a des projets comme ça. Quand on les lit, quand on les entend à la radio, comme toi, que tu nous les présentes comme ça paraît tellement loin, ça paraît limite des scientifiques obscurs en Norvège, oui, qui sont en train de faire des tests. Voilà. Mais en fait, prépare-toi. Prépare-toi. Ouais. J'en ai des pires. J'en ai des pires qui arrivent. Mais du coup, pas du tout, parce que moi, ouais, je peux dire, à Bordeaux, au CHU, tu vois, ils font des expérimentations comme ça. Puis ça peut être ouf, parce que moi, je me rappellerai toujours de cette dame, il me disait, bon, ça se trouve, ça marchera pas, mais elle fait, bon, de toute façon, je vois rien. Donc, je pourrais pas perdre la vue de toute façon. Mais du coup, je serais tellement curieux de savoir si ça a fonctionné ou ça en est, quoi. Ok. En fait, je pense que je vais parler d'une info qui est totalement liée à ce que tu dis là. Okay. Peut-être que tu en as entendu parler. Steve Verz, c'est donc la première personne donc, qui Cœur était. De porc. Non, mais je vais en parler, mais. Ah, oui, je vais en parler de celui. De celui-ci. Mais celui-ci, il est un peu plus connu, ouais. Mais je vais en parler, ouais. Et en plus, c'est l'info qui suit presque celle-ci. Mais oui, le cœur de porc, je vais en parler. Enchaîne-les ensemble. Et du coup, donc, ouais, Steve Verz, c'est la première personne à recevoir une greffe oculaire réalisée par une imprimante 3D. D'accord. Il a reçu ça le 25 novembre 2021. Et déjà, de visu, c'est incroyable. C'est d'un réalisme hallucinant. Du coup, c'est quoi? C'est un œil de verre, quoi, en fait, ou... Non, c'est un œil qui permet de voir. C'est le step-up au-dessus de mon info à moi, quoi. C'est la version next-gen. Ah bah c'est pour ça que tu m'as lancé le... Tu m'as tendu la perche. Ah mais ça se trouve, c'est... Alors je sais pas si c'est la suite ou quoi, parce que moi c'était des médecins américains, je me rappelle, au CHU à Bordeaux. D'accord. Parce qu'il y a des essais, il y a des partenariats, je crois, entre les pays ou je sais pas quoi. Et c'était des... Enfin c'était, c'est pas des médecins, mais c'était une étude américaine, tu vois, qui faisait des tests, justement. Ils recherchaient des personnes qui répondaient à tel et tel critère pour tester leur truc. Et c'était il y a 3-4 ans, donc je sais pas, c'est peut-être... Ah, ça a peut-être totalement bien marché, et puis maintenant, ils sont carrément en train de faire des trucs de dingue. Ouais, parce que ça a été réalisé, donc, le 20... Je sais pas si je l'ai dit, la date. Le 25 novembre 2021. D'accord, c'est vraiment tout récent. Okay. Et ils ont fait la comparaison, justement, avec les prothèses normales. Ils ont dit qu'en fait la prothèse oculaire normale, ça dure le temps de fabrication dure 6 semaines, voilà, ce qui est assez long. Et
la construction de cette prothèse demande de faire une moulage de la cavité de l'œil. Et ça, c'est un peu désagréable. L'avantage, en fait, de l'imprimante 3D, selon ce qu'il disait, c'était que déjà le temps de fabrication était beaucoup plus court, 3 semaines, donc au lieu de 6. Et en fait, ils viennent juste scanner l'œil et scanner la cavité. Donc il n'y a pas d'intervention en fait, dans la cavité oculaire, j'ai envie de dire. Du coup, c'est moins contraignant en fait, pour la personne. Et en plus de ça, apparemment, la définition, elle est plus claire et plus profonde. Donc on verrait mieux. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est quelque chose pour des gens voyants ? Et on leur augmente en gros leurs yeux ? Ou c'est des gens qui leur redonnent la vue ? Alors lui, il n'avait qu'un œil qui était défectueux. Et c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il était réellement aveugle ou il était juste malvoyant. Je crois qu'il était, borgne, mais je ne suis pas sûr. Ça a vérifié, ouais. Est-ce que vraiment il redonne carrément la vue ? C'est totalement différent, quoi. Parce qu'après, si c'est des gens voyants, ouais. c'est des yeux augmentés, finalement. Parce que ça pourrait se faire aussi. Parce que pareil, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations des yeux. Oui. Avec la cataracte, maintenant, limite, tout le monde se fait opérer de la cataracte quand l'âge arrive, en fait. Et du coup, ça serait qu'une opération pour... Par exemple, moi, je sais que ma mère et ma sœur sont myopes, moi aussi. Mais ma sœur et ma mère se sont fait opérer, ils ont corrigé leur myopie directement. Donc c'est une forme aussi un peu de... Donc il n'y a pas une prothèse, tout ça, mais c'est un peu meilleur dans le genre, quoi, finalement. Parce que ça m'étonnerait, du coup, que ce soit des gens complètement aveugles. Parce que sinon, ils ont fait vraiment un bond de malade mental depuis 4 ans que j'ai parlé à cette dame, quoi. Bah attends, mais... Ouais, je... C'est un truc de ouf, quoi. Stiverse... De toute façon, si vous tapez Stiverse, donc, qui est londonien, sur Google, vous allez voir son œil. Et je serais curieux de savoir justement, j'attends que ça charge et je passerai à l'autre info. Mais comme ça, on reviendra dessus, voir vraiment s'il est borgne ou non. Enfin, vraiment, vous savoir si c'est vraiment une grosse avancée ou pas, parce que effectivement, c'est une question intéressante. Bah, c'est déjà ouf, hein, si on peut s'augmenter nos yeux. Genre déjà, oui, commune, c'est du transhumanisme en fait. Hein. Ah, bah c'est donc, ça. Et effectivement, bah, du coup, tu parlais donc de l'homme de 57 ans qui aussi, lui, c'est une première mondiale. Il a reçu un cœur de porc. Donc on appelle ça une xénogreffe. Je ne connaissais pas le nom. Donc c'est quand tu transplantes un organe animal sur un corps humain. Et lui, pour le coup, j'ai son problème, c'est qu'il était atteint d'une insuffisance cardiaque. Et du coup, il n'était même pas éligible pour avoir un cœur normal, quoi, en fait, pour une transplantation. Ah oui, bah, c'est très classique. Enfin, c'est très contrôlé. Oui. On va pas donner à n'importe qui. Il faut qu'il y ait vraiment un pourcentage de chance que ça fonctionne. C'est ça. Et c'était soit ça, soit il mourait. Donc il a dit oui, j'accepte. J'accepte. Et bah, apparemment, ça s'est très bien passé. Faut savoir que et j'y reviendrai dans une autre info encore une fois. C'est les cochons en fait qui ont été utilisés pour la xénogreffe. C'est des cochons qui ont été génétiquement modifiés. C'est pas des cochons comme ça. C'est des cochons qui ont subi une coupe génétique, on va dire, une coupe de l'ADN. Ils ont coupé certains génomes pour éviter en fait que le cochon ait certains virus qui seraient dangereux pour l'homme. Donc c'est des cochons génétiquement modifiés. Mais je reviendrai sur une autre info. Mais c'est je savais pas moi quand j'avais lu l'info en fait de cet homme-là qui a eu un cœur de porc. Je savais pas que les cochons déjà étaient génétiquement modifiés. Je savais même pas qu'il y avait des animaux génétiquement modifiés pour le coup. Okay. Oui, non mais. Donc voilà. Et ça avait déjà été fait en 1984. Ça, une xénogreffe. Ils avaient mis un cœur de babouin dans un bébé. Ça avait été transplanté dans un bébé. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je pense que c'est pour ça que. Après, ça date aussi, hein. Ouais. Mais ça a duré que 20 jours. En fait, le bébé, encore une fois, il était bien condamné, le bébé, parce que c'est horrible. J'ai pas plus d'infos. Non, on va tester, on verra bien. Il est en parfaite santé, le gamin, mais... C'est juste pour la science qu'on fait ça. C'est juste pour la science, les gars. Non, du coup, je sais pas, ouais. Je pense que oui, parce que c'est vachement contrôlé, quand même. Même là, pour faire cette xénogreffe, il y a un organisme qui s'est penché dessus pour accepter, en fait... et bien contrôlé qu'il n'y avait pas d'autre solution en fait. S'il y avait une autre solution, il l'aurait pas fait. Mais d'accord. Mais du coup, là, tant mieux pour lui, hein. Ça a marché. Bon, du coup, j'arrive. Ce qu'ils avaient fait pareil, carrément avec un cœur artificiel, et le mec avait tenu un mois, je crois.
Ah oui, mais c'était. Et je sais pas où ils en sont parce qu'ils faisaient ça à Nantes. Hein. Il y a des très très grands cardiologues qui travaillent sur Nantes. Mais c'était pas un cœur imprimé en 3D, d'ailleurs? Je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est un cœur artificiel. Mais c'est vrai qu'on n'en parle plus depuis. Je sais plus où ça en est parce que ça avait fait le buzz pour le premier qui avait été greffé comme ça. Mais est-ce qu'ils ont continué derrière? Je sais pas du tout. Ah ouais, je sais pas ça. Bon, du coup, j'arrive pas à voir pour Steve Verse. Donc, vous nous direz dans les commentaires. Parce que je sais pas où. Mais ça, ce serait intéressant de savoir. Pour notre londonien, à l'œil imprimante 3D. Ça fait vraiment science-fiction. Tu parlais science-fiction tout à l'heure, mais là. Bah, de toute façon, on est dedans. Qu'on trouve un film ou une série, peut-être Black Mirror ou quoi, où j'aimerais bien parler de transhumanisme. Parce que je trouve ça lance des questions philosophiques super intéressantes. Totalement. Je crois qu'on en avait parlé dans l'émission sur les ovnis, je sais plus. Que finalement, tu sais, à chaque fois qu'on parle des ovnis, on parle de créatures avec un gros crâne, etc. Mais ce qui a le plus de chances d'arriver, finalement, c'est des robots, en fait. Pareil, l'humain, s'il a envie de conquérir l'espace, de partir à la... On sait qu'avec nos corps organiques, c'est quasiment impossible, vu les distances, vu la durée que prendraient des voyages comme ça. La solution serait de créer des intelligences artificielles dans des robots. Les robots, en train de voler à l'épreuve du temps et à l'épreuve des distances. T'es en train de me voler une petite info, toi. Ah, je ne dis rien, moi je pars en freestyle. Mais du coup, une émission totalement sur le transhumanisme. Remarque, je sais, il y a Cyberpunk qui va bientôt sortir en version next-gen. On n'y a pas joué, nous, le jeu Cyberpunk, on n'y avait pas joué parce qu'il y a eu pas mal de bugs et tout, on voulait attendre d'y jouer dans de bonnes conditions. Donc toi, t'as pas encore ta console, mais t'es en train de voir pour essayer d'en avoir une. Ça peut être une idée, une fois que tu l'as, on s'y met une fois que tu l'as. Métro. Comme ça, on fait une grosse émission transhumaniste. Vous nous dites, les auditeurs, si ça vous plairait ce genre d'émission. Mais moi, j'ai tellement d'idées de quoi parler là-dessus. Se servir du jeu pour en parler, ça peut être une très grosse émission. Justement, tu... Désolé, j'interromps ton émission pour teaser notre mais podcast. Mais tu as raison, c'est tout à fait bienvenu. du coup, tu parles d'espace. On va parler d'espace. Oh là là, mais j'adore. On va parler d'un signal extraterrestre. Tu parles d'extraterrestre. Allons-y. Il y a un signal extraterrestre qui est détecté qui est détecté tous les 18,16 secondes. Enfin, 18 minutes et 16 secondes. Pardon. Ne mélange pas les passons. Voilà. Et en fait, c'est un signal, c'est un flash d'onde radio très intense et qui est toujours au même endroit dans la Voie lactée. Voilà. Donc, dans la Voie lactée, c'est un peu la spirale de notre propre galaxie, quoi, si on peut l'imager. Et du coup, ils lui ont donné un nom à ce signal. Il est très très long. C'est GLIM XJ62759-5235-04. Voilà. C'est tout le monde l'a ultra vendeur en plus. Quoi, c'est... il est très loin. Il est à 4000 années-lumière de la Terre. Donc autant te dire que c'est très loin. Hein. Pour les gens, je pense que pour les gens qui ne savent pas, c'est 4000 années-lumière. C'est 4000 ans passés à la vitesse de la lumière. Donc, déjà qu'on ne va pas à la vitesse de la lumière. C'est ça. C'est, voilà. On en est loin, quoi. Mais du coup, c'est une cadence qui est très étrange. C'est très étrange, c'est insolite, en fait, pour les astrophysiciens. Ce qu'ils ont suggéré, c'est qu'il y avait certaines étoiles à neutrons qui seraient capables de faire ça. Donc, c'est quoi une étoile à neutrons? Une étoile à neutrons, c'est quand une étoile telle que notre Soleil, et souvent, c'est les Soleils qui sont 8 à 10 fois plus gros que le nôtre, explosent. Quand ils explosent, ils peuvent devenir un pulsar, une étoile à neutrons, même parfois un trou noir, en gros. C'est, voilà. Et du coup, quand ça devient une étoile à neutrons, ça peut envoyer en fait des signaux assez réguliers comme ça. Ouais, des signaux, pardon. Des signaux. Merci de reprendre mon français. Moi, je suis très à cheval, hein, très. Ce genre d'erreur. Hein. Et du coup, parmi tous les pulsars qu'ils ont identifiés, il y en a plus de 3000. Tous font
leur révolution, donc on va dire un tour complet, pour vulgariser grossièrement, beaucoup plus vite. Donc si c'est un pulsar, une étoile, un neutro, n'importe, eh ben, ça leur paraît très étrange, parce que le plus lent qu'ils ont détecté est de 23 secondes. Là, je le répète, il est de 18 minutes et 16 secondes. C'est... Voilà. Le plus lent qu'ils ont détecté, c'est 23 secondes parmi les 3000 qu'ils ont identifiés. Okay. Et là, il y a celui-ci. Et ce qu'ils disent, c'est que quand c'est trop long, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en gros, l'énergie n'est pas assez conséquente pour créer ce flash radio, en fait. Si tel est le cas, en fait, il n'y aurait pas de flash. Et là, pourtant, il y en a un. Donc, ils se demandent, c'est quoi ce bordel, quoi. Voilà. Je suis un peu dégoûté, tu vois, parce que je l'ai vu passer, cette info, il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais j'avais pas le temps, je crois que j'étais dans ma voiture ou quoi. Okay. J'avais pas le temps d'aller la fouiller, parce que tu sais que j'adore ce genre d'info, moi. Du coup, je suis un peu deg, parce que j'aurais aimé en débattre avec toi, mais là, je ne sais ah, pas. Ah, là, t'es pris au dépourvu. Ouais. Non, bon, parce du coup, que ça, il y avait déjà eu l'histoire avec ça, où on avait détecté un signal... pareil, qui semblait, on va dire, bon, faut le dire, genre extraterrestre, genre créé par une conscience, peut-être pas extraterrestre, mais une conscience, fait quelque chose de volontaire, tu vois. Et en fait, il s'était rendu compte, alors je dis peut-être une bêtise, parce que ça fait longtemps que j'ai eu cette info, mais pour moi, c'était ça, c'est qu'il s'était rendu compte qu'en fait, il y avait une planète qui tournait autour de l'astre qui projetait ce signal, en gros, et la planète, en fait, à chaque fois qu'elle passait devant, elle cachait la transmission, on va dire, ce qui crée. Signal un peu ces intervalles réguliers presque un peu ouais c'est ça ouais. Ce qu'on comprenait pas et on s'en était rendu compte après par la suite. Donc après là du coup c'est pour ça que j'ai vu passer l'info de celui-là mais j'aurais voulu aller voir un peu plus. Oui parce qu'il y avait un autre truc du genre je crois en fait ça venait de la Terre carrément. Le signal il était terrestre en fait. C'est ça. C'est un signal terrestre qui était détecté. C'est un mec qui avait son téléphone allumé à côté de la... Il détecte des planètes extrêmement loin. Il y a loin, même eu un film, alors je me rappelle plus comment il s'appelle ce film qui est super connu, qui parle de ça, d'un signal justement qui avait été reçu. Je me rappelle plus, je peux en parler plus. Je déteste faire des citations, mais tu sais, ne pas avoir le titre. Le bout du truc, ouais. Parce que, de toute façon, tous les gens qui nous écoutent sont là, bah oui, je vois, non mais oui, je l'ai, mais non. On l'a sur le bout de la langue, mais c'est ça. C'est votre cerveau, c'est le cerveau ça. Le cerveau, il est insupportable. Dites-lui. Parce que moi, je lui parle des fois de temps en temps. Donc, je continue. Et du coup, il y a quand même une hypothèse, on va dire, non extraterrestre. Oh. Et oui, comme d'habitude. Enfin, ça reste hypothétique. Mais bon, okay. C'est l'hypothèse la plus probable. Ça serait un magnétar. C'est pas un Pokémon, je savais pas. Ça va, ce que j'allais dire. Non, je connaissais pas le magnétar. Donc ça, c'est un autre type d'étoile à neutrons. Mais en fait, la différence, c'est qu'ils sont beaucoup plus massifs et leur champ magnétique est 100 à 1000 fois plus intense. Et de ce fait, à cause de ce champ magnétique, on va dire, énorme, ça pourrait potentiellement créer ce signal. Même si c'est la première fois que ça arrive. Et ça serait peut-être dû à ça. C'est l'hypothèse la plus probable, qu'en gros, ça serait une très grosse étoile à neutrons et que l'énergie qui, d'habitude, comme je disais auparavant, en fait, quand l'énergie est plus conséquente, le flash radio ne se voit pas. En gros, enfin, si la planète est plus grosse, ça ne se voit pas. Et quand ça passe à un magnétar, logiquement, on ne le voit pas. Mais là, c'est le champ magnétique, en fait, qui ferait office de signal. J'espère que j'étais clair dans ma vulgarisation. Absolument pas. Je t'avoue que je suis un peu paumé, mais... mais de toute façon, c'est un sujet c'est vrai, qui m'a toujours intéressé. J'ai jamais pris le temps de vraiment peaufiner à fond de tout simplement ce qu'est une onde radio, de c'est quoi exactement, en fait, et comment on la crée, comment on la diffuse. C'est un truc qui fait partie de notre quotidien, même avec la Wi-Fi, etc. Mais qu'est-ce que c'est concrètement C'est vrai qu'il faut un jour je m'intéresse à fond pour pouvoir le vulgariser très simple. Enfin, pas simplement. Ouais, c'est chaud, ouais. Parce que tu rentres dans la physique quantique en fait quand tu t'intéresses aux ondes. C'est un peu chaud.
Oui, enfin, moi, c'est des trucs qui nous entourent et qui sont tellement importants. C'est super intéressant. Ouais. Bah, j'ai un bouquin d'ailleurs là-dessus qui en parle. Je te l'avais prêté ou pas? Je crois pas. Sur la physique quantique. Et ça parle justement des ondes électromagnétiques et des ondes de la lumière, des photons, etc. Tu me l'as pas prêté, peut-être tu m'en avais parlé, je sais plus. Je crois que je le posterai sur un. Du coup, vu que j'en parle là. Hein. Ouais, car. Je le mettrai en lien sur. Sur notre Instagram. Et du coup, bah, je te le passerai à l'occasion. Allez. Oui, oh, oui, on parle de notre vie hein, à travers ce podcast. Mais oui, c'est super intéressant. Mais moi, les étoiles de neutrons et tout, je sais que c'est lié à une explosion après une étoile. Mais je me rappelle plus les différences. Pourquoi des fois c'est une étoile à neutrons? Je crois que c'est une histoire de masse et d'énergie. Mais je sais plus pourquoi en fait ça devient une étoile à neutrons. Pourquoi parfois ça devient un trou noir? Pourquoi parfois ça devient. Je sais même plus. C'est tellement intéressant l'astrophysique, je trouve que c'est. Enfin bon, voilà. Bref. Donc, maintenant, tu parlais de transhumanisme. Et là, c'est une info qui a fait du bruit. En fait, en gros, je ne sais pas si tu en as entendu parler, il y aurait un scientifique qui serait à l'origine de bébés génétiquement modifiés. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Bah, ça ne me dit rien, là, comme ça. Ça ne te dit rien. Du coup, de ce fait, il a été condamné. Hein. Il a été condamné à 3 ans de prison. Parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Alors, comment il a fait? C'est tout l'intérêt. Voilà. En gros, c'est Lulu et Nana, qui sont des jumelles. Et leur génome a été modifié en utilisant la technologie CRISPR-Cas9. Donc, cette technologie, c'est ce qui a permis de modifier génétiquement les cochons que j'évoquais tout à l'heure, qui ont été utilisés pour la xénogreffe. C'est comme un ciseau génétique. En gros, ça permet de modifier des fragments d'ADN. Et donc, ils l'ont fait pour les cochons, encore une fois, pour enlever les virus, pour éviter qu'en fait, par exemple, le cœur qui a été transplanté emporte un virus avec lui. Et là, alors pourquoi il l'a fait sur des gamins? En fait, les parents de ces deux bébés ont le sida. Et du coup, ce qu'il a voulu faire, ce scientifique, il a voulu couper. Alors, j'ai plus les termes exacts, ça on s'en passera, mais il a voulu couper en fait une branche de l'ADN, un fragment d'ADN, qui serait lié à une plus grande vulnérabilité au VIH. En gros, c'est ça. Et lui, il a voulu couper ça. Il a voulu modifier ça. Pour qu'en fait, les gamins, ça part d'un, on va dire, entre guillemets, d'un bon. Toujours, hein, d'un bon sentiment. Une idée pour quelqu'un, oui, pour une famille qui a beaucoup de pathologies, d'une certaine maladie, par exemple, un cancer ou des comme ça, c'est pouvoir couper à la naissance pour que la descendance, en gros, n'ait plus ce problème. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. Quoi. Mais le problème, c'est que il a fait ça, certes, mais. En faisant ça, il a sûrement, selon le consensus scientifique, ça c'est pas moi qui le dis, il a modifié d'autres choses au niveau de l'ADN. Et en fait, on ne sait pas quelles sont les conséquences. Mmh. On s'est interdit, en fait, éthiquement et du coup scientifiquement, de le faire sur l'homme, parce que pour l'instant, on n'a aucun recul, en fait, sur ce que ça pourrait faire. Mmh. Et il faut savoir que ce qu'il a fait là, en fait, ça aura des conséquences aussi dans les 6, ces deux bébés, Lulu et Nana, grandissent et ont des enfants, oui, bah, leurs enfants seront génétiquement modifiés aussi. En fait, la modification de l'ADN qui a été faite sur ces deux bébés, si ces deux bébés vivent, du coup, on ne sait pas, parce que pour des raisons d'anonymat, on ne sait pas où ils sont et comment ils vont. Mmh. On n'a aucune idée de ce qui. Voilà. On sait juste que, en tout cas, ce scientifique est en prison, c'est tout. Mmh. Mais du coup, Et c'est en quelle année qu'il a fait ça? Ah, c'est tout récent. Parce qu'il a été condamné à 3 ans, je crois que c'est en 2019, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Ça avait fait un petit peu de bruit en 2019, mais pas trop. Et là, ça a refait du bruit parce qu'on l'a condamné. D'accord, ok. Voilà. Et je crois que pas là. Ouais, parce que les jumelles, les 3-4 ans.
C'est une question très philosophique qui a été tranchée après la Seconde Guerre mondiale, où justement les nazis ont pratiqué des expériences inhumaines sur des humains. Et depuis, c'est vrai qu'on est, on est dans une philosophie du la morale l'emporte sur l'avancée médicinale. Et c'est vrai que c'est une question, je me rappelle, on avait eu un débat là-dessus sur si on enlève le côté moral, de se dire, imagine, enfin, pour partir très loin, imaginez qu'il y ait des humains qui soient élevés comme du bétail, juste pour l'avancée de la science, pour... c'est un peu le dilemme du métro, tu vois, genre, en gros, tu sacrifies 100 personnes pour le bien de l'humanité, parce qu'on va, on va pouvoir faire des tests sur eux et découvrir des maladies. C'est quelque chose qui paraît totalement immoral. C'est même pas imaginable, en fait. Mais tu poses la question... C'est un peu, oui, c'est ça, c'est le dilemme du métro. Tu sacrifies, je dirais, 10 000 personnes en faisant des tests comme ça qui sont totalement abominables. On va dire ça comme ça, mais pour sauver peut-être 1 million. Et du coup, est-ce que c'est abominable? Du coup, en fait, Mais c'est la grande question. Bon, officiellement, la médecine, je sais pas si c'est mondiale, je sais même pas qui c'est qui a décidé ça exactement, mais je t'ai dit, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont tranché dans le côté on fait plus de trucs comme ça. Oui. Mais officieusement, moi, je me demande. Oui. J'en sais rien. Bah, là, des théories, il a réussi. Mais je me dis que. Bah là, il a réussi, par exemple, hein, tout bêtement. C'est un scientifique. Il devait être un peu dans son coin. C'est pas un. Ah, tout à fait. Voilà, oui, c'est. Il l'a fait. C'est pas qu'ils étaient une équipe, mais il l'a fait dans son. Ouais, il l'a fait dans son coin. T'imagines. Ça serait une bonne théorie du complot, hein, genre pour le Covid, d'imaginer qu'il y a des. Il y a du bétail humain, il y a des élevages d'humains dans une zone reculée, dans une zone 51. Et ils testent comme ça, après avoir testé sur les souris, après avoir testé sur les chimpanzés, et ben il y a un peuple d'humains qui est juste du bétail et qui sert avant de passer au grand public. En fait, ce serait même pas déconnant, en fait. Tu pourrais en faire un film de science-fiction qui y aurait une logique, en fait. Je crois que je viens d'avoir une idée de script. Hein. Voilà. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment... Ou Bah, ça fait pour... ouais, bah, en fait, ça fait réfléchir, en plus. À plein de délires. Même des humains génétiquement modifiés, juste pour... Ouais, mais juste faire des dons d'organes. En fait, tu fais des tests, ouais. Bah, ça, c'est, là, c'est une des grosses théories sur le marché de la vente d'organes, etc. Ah oui. C'est en partie, ce serait ça. Hein, Donc, c'est pour ça que si les organes artificiels pouvaient arriver, hein, ça éviterait peut-être... certains trucs assez odieux. C'est ça. Là, c'est quand même chaud parce que du coup, on est sur peut-être une nouvelle espèce d'humain. D'accord. Ça paraît. C'est une nouvelle espèce d'humain. J'ai vu que leur génome a été modifié et on ne sait pas en fait ce qu'il en est. Ça peut créer une nouvelle espèce humaine. Ça paraît. Je sais pas. On est dans les roses. Voilà. Ils ont peut-être des super pouvoirs. Non, mais je pense que moi, à l'avenir, c'est des questions qui vont de plus en plus se poser. Moi, je parlais plus du côté plus transhumaniste, du côté bionique, même robot et tout. Mais on verra bien. Mais ça fait bader quand même, je trouve. Ça fait bader. Je sais pas. Moi, je suis toujours un peu de nature curieuse. Donc, tu sais, je suis partagé entre les deux. Ah bah, c'est comme quand tu regardes la série Black Mirror. Hein. T'es fasciné, t'es horrifié. C'est un lien. Il y a un truc paradoxal. T'es là entre les deux. Bon, on verra bien. Et du coup, alors, pour rester un peu dans le même thème, j'ai envie de dire, c'est parce que là, le scientifique, en fait, lui, a fait ça, apparemment, pour essayer de contrer un peu le VIH. Et il faut savoir qu'il y a une femme, assez tout récent aussi, qui a guéri du VIH sans traitement, sans rien. Et elle a guéri, pour le coup, vraiment. D'accord. Alors que c'est... Okay. À l'heure actuelle, je ne sais pas si tu dois le savoir, toi, mais il n'y a que les antirétroviraux qui empêchent, en gros, la multiplication du VIH. Mais donc, il n'y a pas d'éradication. En fait, tu ne guéris pas, quoi. Ça évite d'empirer, mais tu ne guéris pas. Tu peux vivre maintenant, il y a tous les gens qui ont le sida, peuvent vivre normalement, ils peuvent même coucher avec leur partenaire, sans risque de contamination aussi. C'est important. Tant qu'ils prennent le traitement, quoi. Ouais, tant qu'ils prennent le traitement, bien sûr. Ah bah, faut avoir confiance, hein, parce que sinon. Ok. Et bah, du coup, là,
pour le coup, c'est vraiment une exception. Cette patiente donc, d'Argentine a bien des fragments. On peut bien démontrer qu'elle a eu le VIH, ça c'est sûr, sauf qu'il a été éradiqué. Elle n'a plus aucun symptôme. Et il y a eu un traitement, il y a eu... Enfin, il y a quoi ? Non, rien. C'est un miracle. On ne sait pas, du coup, on sait même pas. On ne sait pas. Et du coup, ils vont... je crois qu'ils l'ont appelé Esperance, l'espoir. Mm-hmm. Parce que c'est un espoir, ils vont se concentrer dessus. Du coup, maintenant, elle est décortiquée dans un labo, hein, la meuf. Ah oui, elle a été tuée, du coup. Elle t'as guéri tuée. Ok, bon, bah, on va te tuer, du coup, pour on parlait, on, parlait de, on parlait de la morale des scientifiques, quoi, c'est ça. Et du coup, voilà, ouais, c'est assez dingue. Bah, des fois, il y a oui, des miracles, il y en a. Des fois, on comprend pas pourquoi. Là, c'est pour le coup, c'est le VIH, c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que des fois, des miracles dans les hôpitaux... Ouais, mais après, par contre, sur le VIH, qu'on peut dire en news qui est tombé il y a vraiment pas longtemps, c'est que, justement, les... Bah, la recherche du Covid, enfin du vaccin pour le Covid avec l'ARN messager, bon, tout le monde en a entendu parler, bah, ça a permis, les fonds qui ont été injectés ont été c'était colossal, quoi. Hein. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été investi dans la recherche et développement. Et du coup, là en ce moment, ils sont en train de faire les premiers tests aux États-Unis pour des vaccins ARN contre le VIH, justement. C'est donc, génial. C'est ultra. Une bonne nouvelle, parce que si les tests démarrent, c'est... Enfin, normalement, ça sent vraiment très très bon, quoi. Donc ça... Voilà. C'est à voir la suite, mais peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles. C'est... Après cette crise Covid, on aura peut-être des bonnes nouvelles, parce qu'il y a énormément d'argent qui a été injecté dans la recherche, et qui va... Ça va pas déboucher que pour le Covid, en fait. Ça va déboucher sur plein de trucs. L'espoir que beaucoup espèrent grâce à ce vaccin ARN, c'est... Le VIH, déjà, c'est génial, mais le Graal, ça serait qu'on arrive à traiter le cancer préventivement. Ça, ça serait... parce que pour moi, c'est vraiment la maladie du siècle, le cancer. Et d'imaginer qu'on a réussi à, peut-être pas l'éradiquer, mais au moins à le diminuer fortement, ça serait assez fou. Hein. Mmh. Ah, mais c'est... Il y a l'espoir, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, non, vraiment, feu. Nous, on vous parle un peu de choses. Oui, on vous annonce des tri. Oui, voilà. On annonce des mauvaises nouvelles, mais aussi avec une belle bouche de sortie. Voilà. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, mais c'est, ouais, c'est des découvertes qui font réfléchir. Et surtout celle que je vais te dire maintenant. Mm-hmm. Prépare-toi. Oula. Là, franchement, prépare-toi. Celle-là, elle est particulière. Elle m'a fait penser à Horizon. Voilà. Elle m'a fait passer à Horizon Zero Dawn. Et à Horizon... Le jeu sur PS4. Voilà, qu'on attend. Les gens. Toi, tu me parles à moi, c'est... Ah oui, oui. Tu t'en fous, hein. J'allais en parler, évidemment, parce qu'en plus, je compte acheter le second opus. Ah, bien donc, sûr. Horizon... Il sort dans 15 jours, là. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. On a joué à Horizon Zero Dawn tous les deux, du coup, avec Davin, sur PS4, qui est un magnifique jeu... Avec un scénario que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Et là... Un univers très intéressant. Le scénario est un peu plus classique, je dirais, mais c'est le lore tout autour. L'univers en soi, ouais, qui est super intéressant. Ouais, c'est ça. Et du coup, le deuxième opus, moi, je l'attends avec impatience. Oh, bah alors là, moi, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Faudrait que j'ai la PS5 pour ça. Et du coup, quel est le rapport ? Quel est le rapport ? Ben, je vais annoncer l'info. Voilà. Pour ceux qui connaissent Horizon, peut-être qu'ils le verront. Pour ceux qui connaissent pas, explique. Oui, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est. Et pour ceux qui connaissent pas, dans Horizon, il y a. Bon, ça va donner un indice sur l'info du coup. Oui. Il y a des dinosaures robotiques. Donc c'est pas des vrais dinosaures, ce sont des robots qu'à une certaine époque les humains utilisaient pour l'agriculture, pour faire plein de choses. Et ces robots, ils sont pas que robotiques, ils sont biologique, mi-robot. C'est ça qui est intéressant. C'est un mélange des deux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'alimenter de façon autonome. Parce qu'ils mangent de l'herbe, etc. Donc il y a une partie biologique en eux. Et donc voilà, c'est là-dessus que je voulais appuyer. Ils viennent de créer ce qu'ils appellent des exobots. C'est quoi un exobot, tu vas me dire, Davin ? C'est ça que tu allais me dire. C'est un robot qui s'auto-alimente. Presque. Bah oui, vu que tu viens d'en parler, c'est dans ce genre-là, quoi. C'est dans ce genre-là, évidemment. Donc c'est le premier robot
conçus biologiquement par ordinateur à partir de cellules vivantes. Du coup, les cellules qu'ils ont utilisées, c'est des cellules souches qui proviennent d'une grenouille africaine. Donc j'ai plus le nom de cette grenouille, c'est une grenouille à griffes, je crois. Son surnom, c'est ça. Et c'est quoi l'intérêt de ce xénobot qui est très petit, hein, c'est minuscule. Cet exobot, il peut détecter les matériaux radioactifs, il peut récupérer des microplastiques dans l'océan, ce que font d'ailleurs certains gros robots dans Horizon, hein, ils nettoient les océans. C'est vrai. Mais bon, là, c'est la version un peu miniature. Hein. Les exobots, tu peux les écraser. Hein. T'es pas obligé de faire comme à l'œil et de les chasser à l'arc. Là, tu les piétines et c'est fini. Hein. C'est... Mais il serait capable aussi de nettoyer les artères d'un corps humain. C'est complètement dingue, je trouve. D'accord. En fait, c'est un mélange. C'est les nanoparticules, les fameuses qu'on nous a injectées avec le vaccin, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, il y avait des exobots dedans. D'accord. Ah, intéressant. C'est sympa. Et ça m'a fait penser à Horizon. Pourquoi? Parce que ces exobots, ils sont subventionnés en partie par la Defense Advanced Research Project. Donc, par une unité, on va dire ça comme ça, qui s'intéresse à la technologie d'usage des militaires. Donc, ça se trouve, ça va devenir une arme de guerre, quoi. C'est-à-dire que dans pas longtemps, ils vont envoyer des exobots qui vont rentrer dans ton corps et te bouffer de l'intérieur. Ah, sympa. Voilà. Sympa. Ça, c'est... Mais... C'est sympa. Il y a une forme de romantisme, quand même. C'est cool, moi, je trouve. C'est une forme de romantisme. Non, mais on peut taper exobot. Vous pouvez les taper exobot sur Internet. Et c'est assez intriguant, en fait, que c'est des premières cellules créées... complètement, c'est une réelle intelligence artificielle en fait. Ces cellules-là qui sont créées par l'homme, tu peux leur donner des ordres en fait, tu peux leur dire de faire ça aussi. Ça me paraît totalement ouf. Je suis outré par mes propres infos. Ça paraît incroyable. Incroyable. Incroyable Wivo, quoi. C'est ça. Donc, vous irez voir. Sachant qu'il y a certains xénobots qui ont un trou. Au milieu de deux, on dirait des mini donuts, et ça leur permet de transporter des trucs. S'ils doivent amener, en fait, alimenter, je sais pas, une cellule dans notre corps avec une chose particulière, ils peuvent le faire, quoi. D'accord. Enfin, Après, pour accepter d'insérer des exobots dans notre corps, ça va être compliqué, je pense. Hein. Ça va être compliqué. Bon, c'est tout. Non. Non, je sais pas. Ça fera polémique au début, et puis petit à petit, comme tout. Hein. Ouais. S'il y a vraiment des résultats, t'inquiète que... Oui, c'est sûr. Ah oui, après, en médecine, pareil, ça peut être super intéressant. Quoi. Mais après, ils se demandent quand même, éthiquement, si ces cellules-là, on peut pas les... même si c'est un ordinateur qui les crée, du coup, c'est une intelligence artificielle, bon, menée par l'homme, mais qui crée des intelligences artificielles, est-ce qu'elle ne pourrait pas... devenir réellement autonome. Et un peu comme Horizon, en fait. Ne spoil pas le dangereuse. Jeu. Ne spoil pas le jeu. Et c'est vrai. Je ne parle plus d'Horizon, c'est fini. On passe à l'info suivante. Du coup, je reviens au dérèglement climatique. Et oui. Ah, je vais encore enfoncer le clou, je vous le dis. Ça y est. Ah, c'est... On va partir dans le bad trip, là. C'est fini. Parce que du coup, avec les données que j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si t'en as entendu parler, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'une sixième extinction. Ah oui. Ah c'est voilà, là on va, c'est l'apocalypse les gars. Ah, c'est l'apocalypse. Je sais pas si non, t'en as pas entendu parler de cette sixième extinction, non? Oui, bon, sûrement, mais ça dépend sur quel sujet en fait. Je l'ai entendu dans plein de sujets différents. C'est... Ah d'accord. Du coup, bon, il y a les Big Five. Donc, en gros, les Big Five, c'est les cinq grosses extinctions que la planète Terre a connues, dont l'extinction des dinosaures, hein, qui est la plus réputée. Évidemment, bah, encore une fois, c'est pas tout le monde meurt d'un coup et on passe à autre chose. Hein, c'est super long, ça se fait petit à petit. Et il y en a certains qui parlent d'une sixième extinction. Du coup, il y a des scientifiques. C'est des scientifiques qui se sont penchés dessus. Parce qu'à la base, selon la liste rouge de l'Union
international pour la conservation de la nature. Ils ont recensé en gros 897 espèces éteintes depuis l'an 1500. Donc c'est très peu. Hein. C'est très peu. En gros, ça équivaut à 0,04%. Mais le problème, en fait, dans ce calcul, et c'est là qu'on va parler de sixième extinction, c'est que la majorité touchée par le dérèglement climatique, en grande partie, elle est invisible et elle n'est pas référencée par l'UICN, donc l'Union internationale. Pourquoi elle n'est pas référencée ? Parce qu'il s'agit des invertébrés. En gros, les vertébrés, dont les 897 espèces éteintes que j'ai citées, ça représente que 7% des 2 millions d'espèces dans le monde. Donc, pour être plus clair, les 0,04% que l'UICN a évoqué, c'est pas correct. En gros, si on compte les invertébrés, donc les insectes, les mollusques, etc., qui sont bah, beaucoup plus petits, qui paraissent moins importants, mais pourtant, bah, on passe, passe à 2 millions d'espèces, alors que les espèces vertébrées, c'est que 200 000. C'est pas... Il me semble, si je dis pas de conneries dans mes notes. Mais en gros, si on compte les invertébrés, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on passe à 10%. 10% d'espèces qui ont disparu en 500 ans. Et 10%, là, c'est énorme. Et on peut potentiellement parler d'une sixième extinction. Parce que 10%, bah, en 500 ans, c'est extrêmement conséquent. Voilà, je finirai sur cette note. Bah, c'est moi, je pensais que tu allais parler de notre extinction à nous. S'en fout, du coup. Non, non, en vrai, on peut rester optimiste. Il n'y a pas de réelle sixième extinction, dans le sens où on peut quand même faire marche arrière, toujours, encore, voilà. Et la scientifique qui évoquait du coup cette statistique disait que, prenez l'exemple des baleines qui en 50 ans avaient été totalement décimées, leur nombre avait chuté, et juste en interdisant la chasse à la baleine, en fait la courbe s'est inversée et ça a repris de plus belle en fait. Et du coup, en fait, il y a toujours le facteur humain qui peut faire changer cette courbe-là. Voilà. C'est pas, on n'est pas réellement dans une sixième extinction. Mais moi, dans les podcasts sur l'environnement que j'écoutais, ils en parlaient un petit peu. Et je trouvais ça intéressant de décrypter ce truc-là, ce phénomène-là. D'accord, oui, c'est clair. Et au contraire, par contre, du coup, il y a des bonnes nouvelles quand même. Ah. On peut parler. Mais au niveau de l'environnement, justement, je l'ai mis juste après pour qu'on ait un petit sourire quand même. ils ont découvert un nouveau récif corallien. Donc c'est assez rare. Un grand récif corallien à 6 km de la grande barrière de corail. Voilà, qui est plutôt réputée. On parle souvent de la grande barrière de corail qui, justement, subit un peu le dérèglement climatique. Parce que je sais pas si tu en avais entendu parler, elle est à Blanchy. Ouais, bien sûr, voilà. Si, oui. Ouais, voilà, a blanchi, donc ce blanchiment, c'est pas qu'elle meurt, elle perd en fait. Elle perd des micro-algues, elle perd en fait des. Comment dire, c'est pas de l'énergie, mais je vais dire ça comme ça. Elle perd un peu de son énergie, du coup, elle est plus vulnérable au stress lié à l'océan, de parasites, etc. Mmh. Elle est plus vulnérable, tout simplement. Et ils soupçonnent, ils savent pas trop ce que c'est. Hein. On n'est pas sûr que ce soit le dérèglement climatique. Ils soupçonnent aussi la crème solaire. Ils soupçonnent des trucs liés aux facteurs humains, mais pas que le dérèglement climatique. Mmh. Et du coup, la grande barrière de corail subit ça. C'était un peu malheureux, mais là, du coup, ce nouveau récif corallien qui a été découvert à 6 km, et qui est rempli de couleurs pour le coup, lui ne subit pas le blanchiment. Et en plus de ça, ils ont découvert une nouvelle espèce. C'est un siphonophore géant. Donc c'est une espèce maritime qui fait plus de 46 mètres de long. Voilà, c'est énorme quand même, 46 mètres de long. Et du coup, ce siphonophore géant, on peut le voir en le tapant sur Internet de façon... Il sera en vignette, je pense que c'est ça que je mettrai en vignette du coup. C'est plein de petits animaux clonés et enchaînés les uns aux autres.
Et chacun, en fait, ont un rôle précis dans chaque partie du corps. Et du coup, ça fait, de visu comme ça de loin, ça fait comme une immense guirlande qui se déplace dans l'océan. C'est assez incroyable. Regardez. Parce que 46 mètres, ça, tu tombes nez à nez avec ça. Et tu dirais un anaconda géant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ils ont découvert aussi un vrai mille-pattes. Voilà, pas du tout au même endroit. C'était ailleurs. C'était dans un autre endroit à 60 mètres de profondeur. Parce que le mille-pattes, il n'y a jamais eu vraiment de vrai mille-pattes. On a toujours dit le mille-pattes pour parler de plein d'espèces d'insectes. Et le dernier qui avait été découvert avec un grand nombre de pattes, il était au nombre de 750 pattes. Et là, celui qu'ils ont découvert à 60 mètres de profondeur, il a 1306 pattes. Donc c'est le vrai mille pattes, voilà. Il y a quand même des nouvelles espèces, voilà. Donc on peut changer la courbe, il faut y croire. Et pour finir, c'est une dernière petite info. Ouh là là. Voilà. Qui parle de l'espace. Voilà. Avec David, on aime bien l'espace. Là, j'ai trouvé ça intéressant d'évoquer ça. Alors, juste avant, et je trouve que c'est en raccord avec ce que je vais dire par rapport à l'espace, ils ont découvert aussi tout un tas de nids de poissons des glaces. Donc, c'est des poissons qui vivent sous des couches de glace. Et ils ont découvert 60 millions de nids tout en se baladant. Des scientifiques qui ils se baladaient. Ils faisaient des recherches. Et en faisant leur recherche, ils ont découvert donc 60 millions de nids. Donc ça recouvre 240 km carrés de surface. Je trouve ça énorme. C'est énorme. Il y avait des nids partout, de poissons des glaces. Et la personne a dit, l'idée qu'une zone aussi vaste de reproduction des poissons de glace dans la mer de Weddell, c'est ça, soit restée inconnue. Et aussi, aussi pleine, c'est absolument fascinant. Et du coup, j'enchaîne du coup avec l'info que je voulais évoquer, qui est en parfaite adéquation. On le sait plus ou moins là, au niveau du système solaire, on trouve des lunes. Il y a eu certaines lunes du Jupiter où il y avait potentiellement en fait de l'eau. La planète Terre a une lune et Jupiter, je crois, si je ne me trompe pas, on a trois, voire plus, je ne sais plus. Et du coup, Saturne a une petite lune qui s'appelle Mimas. Et cette lune, donc ce satellite de Saturne, il pourrait abriter un océan sous sa surface gelée. D'où l'idée de parler des poissons gelés. En gros, c'est la sonde Cassini de la NASA qui a mesuré une curieuse oscillation, une libration, comme disent les astronomes, dans la rotation de Mimas, le plus petit, donc le plus interne satellite de la planète aux anneaux. Et grâce à cette mesure, à cette curieuse oscillation, ça pourrait signaler donc, la présence d'un océan caché. Et Mimas, c'est un corps de 398 km de diamètre et de faible densité. C'est pas énorme, quoi. Et un de ses amis... Oula, j'arrive plus à parler, ça c'est la fin du podcast. Sèche, hein, t'as vu, à parler stop, hein, ça travaille. Hein. C'est ça, exactement. Un des hémisphères de ce satellite est marqué par un très large cratère qu'ils ont appelé Herschel, en hommage à l'astronome qui l'a découvert. Et ça lui donne un faux air d'étoile noire, comme dans Star Wars. Ça serait marrant, je trouve. Ça va. Et du coup, au milieu de cette excavation, qui est large de 130 km et profonde de 10 km, s'élève une montagne au moins aussi haute que le mont Everest. Et avec sa petite taille et sa surface constellée de cratères, mais sans faille ni fracture, Mimas était vue par les astronomes comme une boule de glace gelée, sans activité géologique. En gros, un astre mort, quoi. Et en fait, c'est Alyssa Roden,
du Southwest Research Institute aux États-Unis, qui s'est rendu compte que la petite lune cachait un secret bien gardé. Car les librations, observées donc par Cassini, indiquent que des processus géologiques ont lieu sous la surface de Mimas. Et ils pourraient donc être causés par la présence d'un océan. C'est dingue. Donc, Alyssa Roden, donc, qui est spécialiste des satellites gelés, a généré des modèles numériques afin de comprendre en fait, si Mimas pouvait effectivement emmagasiner assez de chaleur pour maintenir de l'eau à l'état liquide en son sein. Et cette chaleur est générée donc par les forces de marée qui lient la petite lune et Saturne, comme elle le révèle dans un article publié dans la revue Icarus. Et donc il y a vraiment des modèles cohérents qui collent avec l'hypothèse d'un océan intérieur recouvert d'une couche de glace de 20 à 30 km d'épaisseur. Après, donc, Alyssa Roden disait clairement qu'elle reste prudente et précise qu'il faudra des recherches complémentaires. Mais peut-être que du coup, Mimas a une superficie, une écorce, on va dire, de glace de 30 km d'épaisseur, et l'intérieur, ça sera un océan. Et quand j'apprends ce genre de nouvelles, t'as envie de te dire qu'il y a peut-être des espèces, quoi, dans... Ouais, tant c'est tout. Ce qu'on espérait aussi sur Titan, la lune de... Tout à fait, exactement. Mais du coup, alors, je sais même plus, c'est que c'était trop profond. Je crois que la pression était telle que c'était... Ils avaient déduit que c'était mort, en fait, pour trouver des espèces, du coup. Parce qu'ils pensaient pas que la couche était aussi... alors, je sais plus combien de kilomètres elle faisait, la couche de glace, pareil, sur Titan. Donc là, 20 à 30 kilomètres, ça me paraît énorme aussi comme couche. Je sais pas. Ouais. C'est toujours pareil quand tu vois qu'il y a dans l'océan, quoi, dans les profondeurs, t'as des animaux qui. Dans les abysses qui résistent sans aucune lueur de soleil. Ouais. C'est sûr. Si tu te dis, Après, c'est peut-être pas totalement faux. Hein, mais... Comme là, bah, d'ailleurs, ils ont découvert aussi de l'eau sur la Lune. Mais c'est pas de l'eau à l'état liquide. Des fois, ils découvrent des molécules d'eau, même des fois de l'eau à l'état un peu gazeux. Je ne sais même pas si on peut dire gazeux, mais c'est pas de l'eau à l'état liquide tel qu'on l'entend en fait sur Terre, quoi. Mais là, du coup, c'est vrai qu'avec la couche de glace, après, ouais. Des fois, on découvre. Mais là, ça s'enchaîne, hein, les molécules d'eau. Donc peut-être, hein, peut-être, ça serait beau. Il faut des financements pour aller sur Mars, donc il faut enchaîner les petites découvertes pour hyper un peu le monde. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah si, si, j'ai une dernière info pour finir, qui est en rapport, que je trouvais intéressante. Oui, et une dernière info. Et après, je vous laisse tranquille, les amis. En fait, ils ont découvert, pour justement nos chers astronautes, qui font des missions spatiales, ils ont découvert donc un phénomène médical à leur retour sur Terre. Ils appellent ça l'anémie spatiale. En gros, ils ont une forte diminution du taux de globules rouges qui circulent dans le sang. Donc des astronautes pendant leur mission hors de la planète. Et ils trouvaient ça un peu bizarre. Du coup, ils ont essayé de faire une étude un peu plus poussée qui a été réalisée par des chercheurs de l'Université d'Ottawa. En abordant une analyse un peu autre, parce qu'ils avaient déjà fait une étude en 2017 qui reposait uniquement sur des prélèvements sanguins effectués avant, après et pendant la mission. Et là, ce qu'ils ont fait, ça a été un peu plus poussé, ça a été porté sur 14 astronautes qui étaient donc restés 6 mois à bord de l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Ils ont analysé les échantillons respiratoires en mesurant donc la quantité de monoxyde de carbone contenu dedans. Parce qu'en gros, une molécule de monoxyde de carbone est produite à chaque fois qu'une molécule d'hème, un composant de l'hémoglobine, est détruite. Donc ça peut leur donner en fait une idée pour eux des globules rouges. Voilà. Et donc le docteur Guy Trudel, professeur à l'Université d'Ottawa, est l'un des auteurs de l'étude en question, et explique que, heureusement, avoir moins de globules rouges dans l'espace n'est pas un problème, car le corps est en apesanteur. Par contre, les effets de l'anémie se font sortir lorsque la gravité entre à nouveau en jeu.
que ce soit sur Terre ou potentiellement une autre planète ou lune. Cela inclut des impacts sur l'énergie, l'endurance, la force, et peut donc menacer les objectifs de la mission. Et à leur retour sur Terre, en fait, 5 des astronautes étaient cliniquement anémiés. Et cette anémie est apparemment réversible, parce que le taux de globules rouges, il revient progressivement à la normale, mais quand même au bout de 3-4 mois, suivant l'atterrissage. Mais par contre, un an plus tard, ils ont constaté que le taux de dégradation des globules rouges des astronautes était toujours 30% plus élevé qu'avant leur départ pour l'ISS. En fait, ils se rendent compte qu'ils récupèrent petit à petit leurs globules rouges, mais qu'il y a quand même une dégradation globale des globules rouges à chaque départ. Et donc, clairement, le fait d'aller plusieurs fois dans l'espace, ça joue biologiquement sur le corps. Les chercheurs estiment que des potentiels changements structurels auraient pu avoir lieu durant le séjour dans l'espace. L'anémie spatiale pourrait donc avoir un impact significatif sur les missions spatiales de longue durée. Plus les missions sont longues, plus l'anémie provoquée est importante. Et bon voilà, c'est un phénomène en fait qui se produit sur le corps, qui je pense qui est intéressant à étudier, parce que c'est vrai que... Ah oui, parce qu'ils en parlent pas mal, avec Thomas Pesquet en plus qui est là-haut, ça ils en ont pas mal parlé. Ouais. Ça participe au fait que ce que je disais tout à l'heure, qu'on pense toujours à des êtres organiques qui viendraient nous visiter ou à nous si on pouvait partir à la conquête de l'espace, mais la solution serait plus par la robotique plus que par l'organique. C'est ça. À cause de ce genre de truc. Hein. Nous, on est fait pour vivre sur Terre finalement. C'est des milliers, des millions d'années d'évolution qui nous ont donné nous. Donc on est ancré sur cette planète finalement. Notre métabolisme est fait pour tourner. Si on change la gravité, si on change les températures, on est foutu quoi. Donc forcément. Bah, c'est pour ça qu'on va devoir passer au transhumanisme si on va aller sur. Ah bah c'est une obligation. Mars, hein. C'est une obligation. Moi je me fais implanter une puce dès demain d'ailleurs. Moi aussi. Commencer par là, moi du coup. Bah moi aussi. Bah, là j'enregistre pas. J'ai un micro intégré dans le corps. Ouais. Du coup, ce qui me permet. Là, je suis. Bah, t'es en train de dormir. Bivouac. En fait, t'es en train de dormir. c'est ton cerveau. C'est mon cerveau en mode sentinelle. Qui est en train d'enregistrer l'émission. Ça. Ah, c'est bien développé. Hein, c'est. Ah, c'est ça. C'est un gain de temps considérable. Donc, bah voilà. Voilà, voilà. Et bah, c'était beau tout ça. C'était beau. T'as fait combien d'infos en tout? Alors, j'ai pas compté. Je pense qu'il y en avait. Tu penses 15. D'accord. Oui, parce qu'il y en a que j'ai raccroché à des wagons, donc je sais pas forcément. Mais il y en avait une quinzaine. T'en avais quelques. Exactement, il y en avait une quinzaine. Ouais. Okay. Ouais. Et mais j'avais fait un pré-tri. J'en avais noté plus à la base. Ouais, d'accord. Mais certaines, je trouvais qu'à évoquer comme ça en émission, il n'y avait pas assez de contexte, il n'y avait pas assez, forcément de choses à dire. Mm-hmm. On me suis dit, ça va pas être forcément pertinent. Donc j'en ai gardé quand même 15, parce que j'ai trouvé vraiment intéressante. Bon, ouais, voilà. Après, bah, c'était plutôt cool, vous nous direz si vous avez aimé ou pas. Je suis curieux de savoir. Parce que j'ai trouvé les sujets quand même relativement variés. Bah oui, il y avait en plus du négatif, pensé, toi, du positif. Ça t'a plu? Question de rire. Oui, ah bah, clairement, ouais, c'était... 90% des trucs m'ont surpris parce que j'étais pas au courant en plus. C'est bien, c'était ça veut dire intéressant. Que ça risque. Donc c'est. Donc voilà. C'est beau. À réfléchir sur le rythme, à réfléchir sur plein de trucs, mais je trouve il y a une vraie idée. Donc ça va être à peaufiner petit à petit. Ça. Enfin, vous nous direz si vous avez apprécié. Bah, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a du potentiel. J'attends le retour de nos auditeurs. Là. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce bleu. mettez un pouce bleu. Voilà, 5 étoiles, que vous n'ayez pas aimé ou non, c'est pareil. C'est ça. Non, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça nous fait toujours super plaisir. C'est un réel plaisir à chaque fois. C'est sûr. D'avoir des commentaires. En plus, on a parfois des très longs commentaires, très constructifs et tout. Ah oui, même sûr. Parfois quand c'est un peu critique ou quoi, c'est toujours pertinent, ça fait vraiment tant que plaisir. C'est fait avec bienveillance, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ouais. Cool.
Donc bah voilà, je t'avais donné le. Tu devais faire un dicton. C'est bon? Ouais, c'est, la... bon. C'est bon, c'est bon. Bon. Le mec, il... pas du tout, hein. J'ai pas du tout demandé de faire un dicton. Mais il en a. Non, t'en as pas. Si, si, j'en ai un. Ok, bah, je te laisse alors. Je te laisse citer le dicton. Et ben c'est parti. Ce n'est pas la terre qui est lente, ce sont les informations qui sont pertinentes. Putain. C'est pas mal. Parce que je m'attendais à une critique. C'est pas la terre qui est lente, c'est Weevo. Quelle horreur. Avec la conclusion. C'est la conclusion. Mais non, bon, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, c'était vraiment un dicton que j'ai inventé. Hein. Je pense que t'avais compris. Oui, oui, oui. Je pense que tout le monde l'a compris. Je pensais que t'allais dire, mais c'est qui? C'est Socrate? C'est Baudelaire? Non. C'est Baudelaire. Putain, moi, le début, non, c'est moi. Le début, je pensais. Mais après, non. Et quand t'as parlé des infos pertinentes, c'est un rime. C'est juste un rime, en fait. C'est pas du tout un dicton. Hein. C'est vraiment, vraiment deux phrases qui n'ont aucun rapport, mais qui riment, quoi. Donc, voilà. C'était quand même beau. C'était au moins, il y avait l'intention. Il y avait pris le cours, voilà, mince. Bon, sur ce, on vous dit à la prochaine. Allez, salut! Ciao!